L'ISDAT, c'est l'Institut supérieur des arts et du design de Toulouse. C'est un établissement d'enseignement supérieur public qui propose des formations dans plusieurs domaines qui sont le design graphique, les arts visuels, la musique et la danse. C'est le seul établissement en France de ce type-là qui réunisse sous un même toit, entre guillemets, autant de disciplines artistiques, autant de pratiques. Et notre atout, c'est qu'au-delà des formations très spécifiques, domaine par domaine, on a la capacité à faire résonner ces disciplines entre elles et de permettre aux étudiantes et aux étudiants d'apprendre à travailler ensemble, à travailler en équipe, d'apprendre d'autres langages artistiques, ou du moins de les comprendre, pour mieux se préparer à la vie professionnelle ensuite. En première année, c'est une première année générale où on touche un peu à tout. Voilà, on découvre. En fait, il y a trois options ici à l'école, art, design et design graphique. Et ensuite, au bout de la première année, on choisit quelle option on veut. En fait, en première année, moi j'ai beaucoup aimé les expérimentations qu'on a pu faire. J'avais jamais fait de gravure ni de sérigraphie, du coup, je l'ai appris pendant ma première année. Voilà, c'est vraiment de pouvoir toucher à tout. Dans l'école et je crois que c'est vraiment spécifique à l'ISDAT d'avoir autant de possibilités d'ateliers et de pratiques différentes. Deux étapes de diplôme, une à la fin de la troisième année, c'est le diplôme national d'art qui vaut grade de licence, et une à l'issue de la cinquième année qui s'appelle le DNSEP, diplôme national supérieur d'expression plastique. Qui vaut grade de Master 2. Le DNA, ça va plutôt être une étape dans le cursus étudiant où il faut valider certains acquis de méthodologie, alors que le DNSEP, c'est juste avant la sortie, donc on est quand même beaucoup plus proche du statut d'artiste, où il faut savoir se contextualiser et se projeter aussi dans la scène artistique contemporaine. Et je pense qu'on a tous quelque chose à dire. Il faut juste, enfin, c'est facile à dire, mais il faut trouver la manière, son moyen d'expression, son médium d'expression. Et une fois que j'avais trouvé cette matière, le plâtre, et cette envie de travailler avec l'espace, j'ai continué, voilà. Le programme des études en design comprend et s'organise autour de trois studios. Ils intègrent des cours de méthodologie, technique et mise en œuvre, et l'unité d'enseignement en recherche et expérimentation. Chaque studio est associé à un ou plusieurs ateliers techniques et aux cours communs. Le studio Urbain et Crise, c'était un studio dans lequel il nous a été proposé de travailler avec un groupe de migrants résidant sur l'île du Ramier dans un auto-construit. Et chacun des élèves pouvait faire un projet avec ces personnes ou sur ces personnes-là. Je suis rentrée en équivalence en deuxième année pour le cursus à l'ISDAT. L'ISDAT, ça a été une évidence en fait dans la poursuite de mon cursus, parce qu'en fait j'ai fait un BTS design d'espace. Et j'ai voulu continuer en fait dans l'aspect plutôt artistique et créatif que l'ISDAT apportait, avec toutes ces collaborations, tous ces workshops, tous ces ateliers, avec les ateliers moulage, métal. Cet atelier, c'est une salle spéciale pour l'infographie et 3D. Il sert surtout pour les gens en design, pour permettre de prévisualiser des choses en 3D, puis éventuellement de les passer sur la machine. Ce qui est intéressant, je trouve, dans la formation design graphique dans une école d'art, ça va être plus libre en fait, et ça va être plus un travail sur un travail personnel, un travail artistique personnel, mêlé à des contraintes de designer graphique en fait. Et aussi une relation à l'art contemporain, enfin, oui. Qu'est-ce que le graphisme entretient avec l'art contemporain qui n'est pas forcément mis en avant en art appliqué par exemple. Et là, c'est aussi se plonger dans des univers qui se côtoient, mais qui parfois se rencontrent pas forcément, et qui là, justement, sont voués à se rencontrer et à dialoguer. Et même le fait d'avoir des cours d'histoire de l'art, etc., c'est aussi
vraiment avoir une autre approche de la pratique et aussi de la théorie. Là, par exemple, c'est un exercice de lettrage à la main. On a repris un peu le système des collages féminicides donc, qu'on voit dans la rue. Donc une lettre par feuille et ensuite créer notre propre système, comment on crée notre lettre et comment on aborde le format dans notre composition. En musicologie, on a un parcours qui s'appelle Interprétation et pédagogie musicale. Il regroupe à la fois le DE, diplôme d'État, pour ceux qui veulent devenir professeur en école de musique ou en conservatoire, et puis également le diplôme, le DNSPM, donc diplôme national supérieur du professionnel musicien, pour ceux qui se destinent plutôt à devenir artiste-interprète. Cette licence, elle est portée en collaboration entre l'université Toulouse-Jean Jaurès et puis l'ISDAT. Les formations que l'on propose s'adressent à de jeunes étudiants qui ont terminé leur cursus de formation initiale dans les conservatoires à rayonnement régional et qui souhaitent se perfectionner pour entrer dans la vie professionnelle en tant que musicien professionnel. Nous proposons un cursus de DNSPM, ou appelé bachelor en Europe, qui propose quatre options. L'option artiste-interprète, l'option pédagogie, l'option direction d'ensemble instrumentaux et l'option préparation métier d'orchestre. Ces deux dernières options sont en collaboration totale avec l'Orchestre national du Capitole de Toulouse, puisque nous travaillons avec son directeur artistique Tougan Sokiev et avec les solistes de l'orchestre qui enseignent chez nous. Nous proposons donc un parcours aux musiques classiques à contemporain en intégrant le chant lyrique, et un parcours musiques actuelles, qui est un parcours en plein essor, en plein développement depuis 2-3 ans, puisque nous axons ce parcours sur le projet personnel de l'étudiant et nous le mettons en lien avec les différentes SMAC, salles de musiques actuelles de la région Occitanie, et des artistes nationaux et internationaux qui les accompagnent dans le développement de ce projet. La formation musique actuelle à l'ISDAT s'adresse à des étudiantes ou des étudiants issus de des différents conservatoires et qui ont obtenu leur diplôme, qui s'appelle le DEM, et qui ont plutôt un profil assez ouvert, puisqu'on va brosser un paquet d'esthétiques et de courants musicaux. Et aussi, une des particularités de l'école, c'est aussi avoir l'envie, en tout cas, de travailler sur des projets transdisciplinaires. Alors, les partenaires principaux, c'est tout ce qui est érudition, c'est à l'université Toulouse de Jean Jaurès. Et pour la pratique musicale, c'est l'école qui s'appelle l'école des musiques vivaces, qui s'appelle Musical. Je pense que la volonté de l'ISDAT et notamment de David, c'est de nous fournir à l'issue de notre cursus en 3 ans un vrai projet solide avec les contacts nécessaires et avec le répertoire qu'il faut et tout ce qui va à côté, quoi. Donc ouais, non, c'est vraiment un vrai projet pro, quoi. Moi, j'ai eu la chance en deuxième année de partir au Canada en échange avec l'ISDAT, qui est, je pense, la meilleure expérience de toute ma vie, qui m'a permis de savoir vraiment où je voulais aller. L'unité danse de l'ISDAT forme des danseurs et des danseuses. Il propose un parcours de 2 ans qui donne lieu à un diplôme d'État. Diplôme qui est nécessaire à l'enseignement de la danse dans les établissements publics, dans les établissements privés et dans le milieu associatif. Ce diplôme d'État est l'équivalent d'un bac plus 2, mais si les étudiants le souhaitent, ils peuvent s'inscrire à la faculté Jean Jaurès en licence art du spectacle. Nous avons des partenariats assez forts avec le Centre de développement chorégraphique national La Place de la Danse, notamment sur un cycle de conférences que nous partageons. Mais nous avons aussi des partenariats avec la faculté Jean Jaurès, sur des enseignements et des partenariats avec des théâtres comme le Théâtre Garonne, le Théâtre de la Cité par exemple. Ce qui m'a beaucoup apporté dans la formation à l'ISDAT, c'est le côté éveil-initiation qui a une énorme importance dans l'enseignement. Et donc tout ce travail du corps, le travail de pratique aussi qui est quand même présent dans une formation qui est uniquement une formation de diplôme d'État, qui n'est pas une formation de danseur. Je trouve ça hyper intéressant quand même d'avoir du travail de corps, des stages avec divers chorégraphes et également le travail anatomique et tous les stages qu'on peut faire avec des intervenants extérieurs en technique Alexander, en psychomotricité, ça m'a beaucoup apporté
dans ma qualité de corps de danseur et également dans ma pédagogie de professeur. Aussi, ce qui était important pour moi, c'était d'être en lien avec d'autres arts. Donc, on a pu danser avec des étudiants en musique ou rencontrer des étudiants des beaux-arts. Le DE à l'ISDAT, ça m'a permis à donner les outils, les conditions, l'environnement pour tester des choses et développer ma propre pédagogie, parce qu'il y a des fondamentaux, mais il y a aussi une liberté de créer sa propre danse et questionner aussi sa propre danse. L'unité danse de l'ISDAT propose également une formation du danseur. Cette formation du danseur délivre un diplôme qui s'intitule l'examen d'aptitude technique, qui est le niveau requis pour entrer en formation du diplôme d'État. Cela s'adresse souvent à des étudiants qui n'ont pas eu un parcours en conservatoire et qui n'ont pas obtenu de diplôme d'études chorégraphiques, diplôme équivalent de l'examen d'aptitude technique. Nous avons créé deux formations, il y a Plexus Lab et Plexus. Plexus Lab est une formation pluridisciplinaire qui s'adresse à nos étudiants de nos cinq unités d'enseignement, art, design, design graphique, musique et danse. Donc c'est en formation initiale, alors que Plexus est une formation aussi pluridisciplinaire mais qui s'adresse à tous les artistes et créateurs qui souhaitent s'inscrire, c'est en formation professionnelle continue. Le Plexus Lab, c'est une espèce d'atelier, on peut appeler ça comme ça, je pense, entre musiciens, danseurs, plasticiens, designers. En fait, toutes les formes d'art qui sont enseignées à l'ISDAT sont les bienvenues et où on monte brièvement des projets, brièvement plus ou moins finalement, avec du coup danseurs, musiciens, plasticiens mélangés. Et l'idée, c'est de faire une pièce commune axée autour du mélange des différentes disciplines, quoi. Plexus est une formation transdisciplinaire qui allie différents arts. Donc cette année, nous étions quatre artistes avec du son, du design, de la danse. Nous avons différents dispositifs d'insertion professionnelle au sein de l'ISDAT. Il y a d'abord des dispositifs durant les études et des dispositifs après les études pour nos diplômés. Donc les dispositifs durant les études, c'est des dispositifs de formation notamment, qu'on a par exemple un partenariat avec le BBB qui permet à nos étudiants en troisième année et en cinquième année en art, design et design graphique d'avoir des modules de cours sur le statut des artistes par exemple, ou leurs droits, comment faire des devis, des factures, etc. C'est vraiment une préparation à la vie professionnelle. Et après, on a différents dispositifs pour nos diplômés. Là, c'est souvent avec des partenaires. On crée des partenariats avec des lieux culturels pour des résidences dans ces lieux, des expositions, ou par exemple, on a un partenariat avec la Cité internationale des arts à Paris, où on permet à un de nos diplômés de réaliser une résidence dans ce lieu. Pour la musique et la danse, on propose surtout durant les études des mises en situation professionnelle à nos étudiants. Il y en a énormément avec des lieux partenaires et notamment dans des écoles. Et il y a aussi des cours de préparation à la vie professionnelle. Il y a une chose très importante dans une école supérieure d'art, ce sont les ressources pédagogiques. À l'ISDAT, nous avons la chance d'avoir une bibliothèque importante qui comporte beaucoup de documents, d'ouvrages, de films, etc. liés à la création contemporaine. Nous avons un fonds ancien aussi, composé d'œuvres et de beaucoup d'ouvrages historiques qui retracent un petit peu l'histoire des arts décoratifs et l'histoire des arts. Et nous avons toute une programmation de conférences, de rencontres, de débats. Et ces trois choses, donc bibliothèque, fonds anciens et programmation, sont reliées. Et on essaie de les éditorialiser pour en faire un vrai outil au service de la pédagogie, des étudiantes et des étudiants, donc des enseignantes et des enseignants, mais aussi du public. Le plateau média de l'ISDAT est un lieu qui a été conçu comme un lieu de rencontre pour accueillir les débats, les conférences, les concerts, les représentations. Voilà, cette programmation est faite par les équipes pédagogiques, les directions pédagogiques et les personnels de l'école, en lien avec la pédagogie et les cursus, afin de venir enrichir
les savoirs et les connaissances de nos étudiants, des professeurs, des personnels, mais aussi du public extérieur. L'ISDAT, c'est bien sûr un lieu de pédagogie et de formation, mais c'est aussi une communauté de vie, avec vraiment la nécessité pour les étudiantes et les étudiants de vivre ensemble et d'être protégés d'une certaine manière et d'avoir une école qui s'engage notamment dans la lutte contre les discriminations afin qu'ils aient un environnement et un bien vivre, disons, dans cet établissement qui leur permette de s'épanouir et de se former correctement.